Salut YouTube, comment tu vas? Bah écoute, maintenant moi ça va super bien. Du coup, petite partie de Binding of Isaac. Vous allez voir, la game est folle pour ceux qui s'y connaissent. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu moins, vous allez voir que bah, potentiellement vous allez aimer le jeu. C'est vraiment un jeu incroyable. C'est ce qu'on appelle un roguelike, donc c'est un truc où tu progresses de plus en plus selon la game. Et chaque game est différente. Et tu peux débloquer un petit peu des trucs aussi. Et ça qui fait que le jeu est un peu infini, parce que chaque game est vraiment différente d'une autre. Et aussi, forcément, c'est ce genre de vidéo qui sera un peu moins vu sur ma chaîne parce que c'est pas juste le soir, vous connaissez. Et donc, n'hésitez vraiment pas à soutenir un maximum comme vous pouvez. Des likes, partager tout ça. Et bonne vidéo! Goades? Ouais, Goades, Hades, c'est un truc que j'aimerais bien, ouais. J'ai pas besoin de ramasser ça tout de suite. D'ailleurs, j'ai un peu hint à me faire taper. J'ai oublié que c'était à tête chercheuse, ces trucs-là. Là, je vais faire The Beast sur Samson, en gros. Et The Beast, je sais plus exactement comment il faut faire, mais ça va revenir. Ça va revenir, en vrai. En vrai, ouais, je pense que Hades, c'est mon genre de jeu, donc il faudrait que je le fasse un petit peu. En tous les cas, je vais tester un jour, juste pour la découverte, tu vois. Même si j'aime pas, tu vois. Même si je pense que je vais aimer, tu vois. Parce qu'il y a aucun roguelike que j'ai vraiment détesté jusqu'à présent, quoi. Backseat? Ouais, backseat autorisé, carrément. Je préfère avoir un bon run où je sais quoi faire, tu vois. Mais normalement, ça devrait aller. C'est quoi? C'est il faut aller jusqu'à Mum. Ensuite, tu pars de Mum et t'as une porte qui s'ouvre, je sais pas quoi. Donc il faut de quoi se téléporter hors de ça. Est-ce qu'il y a un truc pour rentrer dans cette porte? Ah si, bah il faut Polaroid, quoi. C'est d'office pour l'héroïde ou le négatif, ça marche aussi? Les deux marchent, ok. Bah, parfait alors. Est-ce qu'on tente une petite bombinette? Lovers. Au pire, j'ai fait full bombe avec ça. On fait des bombes. On aime. Je vais en tester quelques-uns. Ça aurait pu. Ça peut pas être là. Ça, à mon avis, c'est la salle de base. J'ai tenté quand même la super secret après. Ah, pas mal. Pas mal en effet. En espérant que la super secret soit là. Ok. Ah, plein de cœurs. Ah, mais il y a une sacrifice room en vrai. Hein. Donc on va peut-être faire du sacrifice un petit peu. Alors je sais plus exactement comment ça marche. Il y a les deux anges et après t'as encore un truc. Hein. Parce qu'il faut absolument pas que ça me téléporte à la fin. Les anges, je vais pas les taper, ça sert à rien. Ça peut me faire des bons petits items pour commencer, ça peut être cool. En gros, à chaque fois que tu vas là-dedans, tu as une petite chance de faire apparaître des choses. Comme par exemple ce coffre. Ça tombe bien. Ça illustre l'exemple. Le Field Blaze, c'est en gros augmenter les chances d'apparition de Angel Room. Mais l'étage 1, ça change rien. Que j'ai déjà battu le boss, parce que c'est après le boss que ça apparaît, ça. Je le dis aussi à voix haute, bah déjà pour ceux qui connaissent pas Isaac, et deuxièmement pour me rappeler aussi. Comme ça, si je dis des conneries, n'hésitez pas à me le dire. Bah justement, ça c'est une Angel Room, ça tombe bien. C'est quoi ça encore? Ah oui, ça ralentit les missiles à côté de moi. Est-ce que je tente de me faire 2-3 cœurs bleus? Je pense qu'il n'y a pas besoin. Parce que dans tous les cas, je vais les perdre. En tous les cas, je vais les perdre.
Ah. Je le connais, ce item. Ça me l'air d'être un bon petit run, là. On est étage 1. On a Godhead. Ça m'est bien. Bah, en vrai, j'ai... Ah, si, je peux encore en faire... Apparaître les bombes. Là, je fais apparaître un ange, normalement. Que je vais pas combattre. Et ensuite, j'ai encore un truc, non? Ça peut être soit des cœurs, soit des pièces. Dites-moi si vous avez des problèmes avec le son ou peu importe. Hein. N'hésitez vraiment pas. Bah, ce sera les pièces. Et à partir de là, je pense qu'on est bien. On n'est pas trop mal hein, pour un premier niveau. Sachant qu'il faut que je tue deux beasts à la fin, donc c'est pas un petit boss. En fait, c'est pas vraiment deux beasts qui me dérange en général, en tout cas de mémoire. C'est plutôt les quatre chevaliers là au début. Remarche dessus, ouais, bien sûr. Le pire c'est que si je remarche dessus, c'est pas trop grave, parce que je fais juste réapparaître un autre ange. Je pense. J'étais peut-être à tête chercheuse. Je sais plus exactement tout ce que ça fait le Godhead, mais en gros je suis pété là, je suis broken. Pour du niveau 2, je suis totalement broken. J'ai plus qu'à aller chercher du tear-up, du damage, et on est bien. Hein. Tear-up, en gros, c'est juste taper plus souvent, quoi. L'attaque speed, quoi. J'espère être là pour t'aider. Bah, ça va être cool. Hein. Ça va vraiment être cool. Je vais déjà faire le boss, qu'en soit, j'ai de quoi déjà. J'ai déjà de quoi le tuer. En plus, je ralentis ses missiles. Hein. Le boss est fait pour moi. Let's go. Damage HP, on prend. Ça, je m'en fous un peu. En plus, j'aurai plus de chances d'avoir des Angel Room plus tard. Donc, je vais pas prendre le deal. En fait, je sais même plus ce que ça fait ce truc rouge, mais de mémoire, je le prenais pas. Donc, je me dis que c'est pas à prendre. Il me faudrait l'addon là qui me dit tout ce que ça fait, quoi. Il y a un addon que tu peux installer sur Steam. Et je l'ai plus installé. Et au moins quand t'as un doute, tu dois pas aller sur le wiki et tout. Range down, c'est pas trop grave en vrai. Je vais faire la Curse Room. Parce que j'ai plein d'HP. Bon appât, hein, tu vois. C'est pas un jeu de chill, c'est plus de tryhard. En soi, il y a des challenges sur sur Isaac où c'est assez tryhard aussi, hein, mine de rien. Après, je peux tryhard aussi, hein. Je suis pas juste dans le chill, hein. Au cas où, c'est ça la... le problème. Quand même à le faire ça, parce que ça peut parfois faire des trucs cool. Je pense pas refaire la sacrifice. Merci beaucoup Mousticos pour ton prime. Merci beaucoup frérot. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une bonne journée. Ah c'est le Four Ways, ok. Et bienvenue du coup. Je crois que c'est ton premier sub. Bienvenue, bienvenue. Après je peux en faire deux. Bon ça me fait une pièce, hein, c'est déjà ça. J'ai aussi la machine que j'aurais pu aller faire, mais c'est pas trop. Oh, grave en vrai. Le truc rouge, c'est plus de challenge, c'est ça. Hein. En vrai, je pense que je vais prendre. Ça me fait des dégâts et j'ai de quoi taper des trucs comme ça. Surtout que le challenge up, ça fait que les monstres, en gros, deviennent élites plus facilement. Et du coup, c'est aussi plus de chance de dropper les trucs. Parce que par exemple, s'ils sont noirs, genre ils drop des bombes. S'ils sont jaunes, ils drop des stuws et tout. Ça peut être cool. De mémoire. A pas sorti du contexte, évidemment.
T'as la manette si tu veux avoir des crampes. Ah non, j'ai eu ça au clavier. Je fais tout au clavier, moi. C'est une bibliothèque, ça va être bien, mais j'ai qu'une seule clé, donc je vais attendre un petit peu de voir ce que je peux ouvrir, ce que je peux pas ouvrir. C'est d'office manette, Hades? C'est vraiment d'office manette? Un sur 20 et Godhead, la reine est déjà rigue, bah de fou, hein. J'avoue que j'ai un petit peu chaté. Streamer luck, hein, tu connais, hein. Par contre, j'ai une range de merde. Ok. Hades au clavier, ah ouais, à ce point? Ah mais moi je suis pas du tout un joueur manette, hein. J'ai jamais joué à la manette, moi, de ma vie, hein. J'ai jamais de console. En vrai, j'ai un petit peu joué à la PlayStation, mais c'est tout, quoi. Mais peut-être que c'est le moment de m'y mettre, hein. Jamais dire jamais, hein. Ah ouais, du coup, si c'est un jeu skillé et en plus à la manette, ce sur quoi je suis pas du tout habitué, ça va être chaud, non? Vas-y. Est-ce que je nique mes clés là-dessus? Peut-être pas tout de suite, quoi. Peut-être pas tout de suite. On va voir après. En vrai, la clé, je pense que je vais la chercher, celle-là. Déjà voir plus tard si j'ai pas genre un item pour vol ou je sais pas quoi. Parce que si c'est le cas, j'aurais pas besoin de tout casser. Ok, peut-être un monde où ça, je peux l'avoir avec une salle secrète. T'es obligé d'être un crack? Ok. Bah, j'y. Ouais, je tenterai, hein. Je tenterai probablement. Pour l'instant, c'est chill, c'est normal. Juste qu'on stonk la game et on est bien pour Beast. Directement aller faire ça. J'ai 16,9% de chance de Angel Room. Je me suis fait taper? Je me souviens pas. 16%, ça me paraît peu. Je me suis peut-être fait taper, ouais. Putain, je défonce les boss. Par contre, il faudrait un petit peu de range. Parce que ma range est pas bonne. Je sais pas du tout ce que c'est, ça. On dit rien. Je sais même pas si ça existait. Ah bah j'ai le vol en plus. Allez, let's go! On vole en plus. Bah du coup on pourra tout récupérer. Je l'avais prévu évidemment. Vous savez ce que c'est ça? J'avoue que je sais pas du tout. J'ai pas envie de niquer ma run avec un item chelou. Et dans tous les cas, je pense que je vais tester, hein, mais. Je prendrai à la fin. Ça ressemble à rien. On dirait que ça ressemble à un nez. C'est damage up? Ah, parfait. La blood clot, mais sur l'autre œil. Ah, ok, parfait. Merci. Bah, du coup, j'ai deux clés. Attends, juste regarder si, genre, la salle secrète est pas là. Elle peut l'être, non? En vrai. Tac. Oh putain, j'ai quand même ouvrir. Parce qu'elle est. Il est vieux truc là. Dommage, hein. J'ai pas envie de niquer mes clés. On va voir si j'en ai besoin plus tard. Hein. Imagine Magic Mushroom dans les. Ça aurait été beau quand même. Yupoli, comment tu vas? Comment tu vas, mec? En vrai, le challenge, je vais le faire. Hein. Au pire, le shop, je peux y rentrer avec une bombe. Oh putain, sérieux. C'est un autre truc à ouvrir avec une clé. Sérieux. Dommage. Parce que celui-là, je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite. J'ai envie d'ouvrir la bibliothèque en prio.
contre ça en fait. Il me semble que c'est pas mal ça. Tierce. Ok. Et là, il faut que j'aille trouver une clé. En gros, je pense qu'il faut que j'aille bomber ça. Oh, je sais plus ce que c'est la blanquette. Je pense que c'est genre des cœurs, non? Genre des cœurs bleus ou je sais pas quoi. Bombe. J'avoue une clé, mais... C'est quoi? C'est You Feel Safe. Est-ce que ça donne un truc en plus que juste les cœurs bleus? Paris de Hyde, c'est si fort que ça, Paris de Hyde? Something's wrong. On va garder. Ok, plus qu'un book et on est bien. Que déjà utilisé. Que sinon j'y pense pas moi. Faut l'utiliser optimalement en faisant les dégâts mais bon. Ok, on est pas trop mal hein. Plus qu'un bouquin, on est en plus bibliothécaire ou je sais pas quoi. Je sais pas comment on dit en français. Ça on peut évidemment prendre. On a beaucoup de sous. Qu'est-ce qui nous manquait à faire sur cette run? Juste, enfin sur cet étage, c'était juste ouvrir ça. En ça, on peut tenter un peu la Secret Room ou Super Secret, après c'est long. Hein. Je peux tenter limite là. Après ça peut être là, ça peut être tout en haut. Ouais non, je pense qu'il y a trop peu de chances que je la trouve. Avec trois bombes. Ouais non, trop peu de chance. Ah ça met pas. Ça a pas mis le... Après peut-être parce que j'étais sur tab. Yugi Slash contient. Ok. Mom c'est quoi encore? C'est pas encore maintenant, hein, même, on est d'accord. Hein. Ah non, je suis que... Ce sera après, dans deux étages. Ah, y'a personne. Dans quoi? C'était vraiment une salle vide, là? Une salle aussi grande vide, c'est rare, non? On ferait des clés. J'ai encore de quoi recharger mon bouquin et tout avec les piles. Je ferai ça après si vraiment il faut. Ça, je ferai plus tard peut-être. S'il y a rien besoin. Pas de clés. Il me faudrait des clés là. En vrai, la reine est dingue. Je suis tellement pété là. Ok, clé, c'est cool. Encore. Il m'en faut encore plus. Toujours plus. Est-ce que oui, ça? Bah, d'accord, que c'est pas même, hein. Ouais, non, c'est que mon. Tellement longtemps que j'ai pas joué, j'étais pas sûr. What? What?
Attends, mais comment j'ai un item comme ça? Luck way up, don't lose it. On prend la luck, hein, c'est quoi? Ouais, c'est broken, mais il me faut juste du tier sub parce que ça se recharge quand même assez lentement là. On va aller ouvrir la salle des items en prio, je pense. Quoique, peut-être plutôt ça, non? Parce que là, je peux avoir une clé avec plus un item. Quand tu utilises la Bible satanique dans l'étage, tu deviens Devil Deal au boss. Ok, ok. Ça, j'ai l'impression qu'à l'époque, il n'y avait pas. C'est possible? On va prendre ça, ça va recharger le truc. C'est nouveau depuis répondant ça. Ok, ok. Ça marche. Reconvertir ça, ça va pas être incroyable. Je pense que j'ai une idée. Non. L'idée était bonne pourtant. Alors ça, je me souviens, c'était plutôt fort. Hein. Ça, c'est justement le tier sub qu'il me fallait. Tout va bien. La game est ok. Est-ce que j'ai vraiment même besoin de faire ce genre de choses? Est-ce que j'ai même besoin de faire ce genre de choses? On va juste tout casser, hein, je pense. On va juste tout casser. Un peu la flemme de tout faire, là. En vrai flemme, juste flemme. J'ai quand même regardé vite fait la Curse Room, on sait jamais. Ça va quand même faire, c'est gratos. Ah, je suis un peu triste pour la salle secrète, mais bon, c'est pas grave. Hein. Happens. De toute façon, je suis bien assez fort là. René Jawin. Ouais, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de beast. Hein. Ça se trouve, j'ai fait n'importe quoi. Le livre, en gros, il fait un cœur noir. Il faut juste pas que je troll. Faut pas que j'oublie d'avoir de quoi me TP, quoi. C'est vrai qu'on peut pas les taper au début. Le cœur noir, il fait quoi? S'il est cassé, il explose. Il fait des dégâts à toute la room. Et par contre, s'il est cassé, il revient pas, quoi. C'est pas comme les cœurs rouges qui peuvent se heal. Le qui pénit. Prends, hein. Ça, je vais attendre un petit peu avant de voir. Plaisir de voir sur Yazek. En vrai, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué à l'époque, putain. J'ai 800 heures dessus. On prend un. Genre, tu dis que tu t'as jamais joué à la manette à 30 ans, que j'ai bientôt aussi, t'as jamais eu de NES. Mais justement, j'ai joué un peu à la PlayStation, mais c'est tout. En fait, moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu un PC, moi. Enfin, j'avais le PC familial avant et tout, quoi, tu vois. J'ai toujours joué à tous mes jeux sur PC, quoi. Jamais trop fait de console. J'ai un peu fait, ouais, de tout ce qui est Game Boy, tout ça, hein, aussi, mais c'est pas de la manette, quoi. J'ai tellement de cœurs noirs que j'ai même pas besoin des cœurs bleus. Hein? C'est quoi ça? Ah, ils explosent ceux-là? Possible. Je les connais pas trop, ces meubles-là.
Burp. Ça donne pas grand chose à ce niveau-là, mais ouais. Pas très intéressant. En tout cas, je préfère mon book. Je vais voir plus tard. De toute façon, en vrai, je pense que j'ai même pas besoin de me poser trop de questions sur cette run. Je pense que c'est déjà gagné. Ça devrait le faire. Faut juste pas que je troll et que j'oublie pas d'avoir un truc pour me TP à mom. Et si je fais ça, normalement, on est déjà bien. Et je dis ça parce que je suis très capable de faire ça, en fait. Je suis très, très capable d'oublier. Ok. Je sais plus ce que ça fait. Mais je pense pas que j'en a... je pense pas en avoir besoin. Je pense que c'est un truc même un peu chiant limite. Hop hop hop. Pas plancé. C'est un truc qui reset le perso ou je sais pas quoi, non? C'est genre un truc un peu chiant, non? Genre de truc sur lesquels tu tombes quand t'es en blind room quoi. Je vais quand même faire ça. Enfin, quand t'es en curse sublime, quoi. Les clés, on prend. Hein. On aime ça. Okay. Il y avait. T'as kill toute la salle. Ah, toi y compris. Ah, ah. Pas mal. On aime. Ouais, Osef. C'est quoi go next, hein? En vrai, go next. Alors du coup, il faut que je trouve une carte pour me TP sur un des skulls de mémoire. Et du coup, jusqu'à deux pistes. C'est ici, hein, mum. Mais d'accord. De toute façon, je verrai bien. Ouais, non, si, c'est ici. C'est justement la porte que je dois passer. Il faut que je trouve le crâne là. Le bon. C'est pas trop mal parti. C'est pas trop mal parti en effet. Ok. On est en effet vraiment bien dans la game. Ouais, j'avais même pas besoin de faire ça, peu importe. Après ça me fera... Ah non, ça peut pas me faire un deal. Empress. Earth. Tire sub, allez. J'aime ce. Normalement, il y a un crâne chelou à un moment de mémoire. C'est bien ça à quoi je pense. Ça paraît tellement facile après ce jeu. J'ai envie de se dire, mais il est trop nul ce jeu. Trop facile. Il one shot tout le monde là. Il est là. Il y en a le full. Je sais plus comment ça marche. Hein. Il me semble que c'est bien. C'est genre une salle sur X. Ils sont ralentis. C'est une salle sur je sais plus combien. Imagine, ça tombe sur le boss. Il faut pas directement dire victoire parce que je suis vraiment capable de in ce genre de game, moi. C'est ça mon problème.
suis vraiment capable. On a de full, hein. Donc c'est pas, c'est pas, c'est bon, on est bien. Ok. C'est que les cœurs rouges, hein, d'accord ça. Hein. C'est que les cœurs rouges, hein, que ça met à 1. Juste pour être sûr. De mémoire. Ouais, c'est ça. Hein. Mais d'accord. Thanks. On sait jamais. Là, du coup, on fait ça. J'ai un gros redoute. Non, ça va, t'inquiète. On va se rendre un peu plus OP, on sait jamais. Hein. Blank. Purity. Change. Ça, je peux garder. Death Room, il y a peu de chances que. En vrai, j'ai envie de tracer là. Parce que je suis déjà assez fort. C'est trop facile. Et c'est long pour rien. Il faut que je me souvienne des mobs. Oh la bouillerie. Ok, bah du coup bibliothécaire, hein. Bookworm. Est-ce que je garde mon Satan? L'invincibilité est cool, mais elle va pas se recharger. Je pense que j'ai pris l'invincibilité à la fin. Juste recharger un maximum ça. Ah mais si, elle peut se recharger. Bah oui, évidemment qu'elle peut se recharger, j'ai l'item qui se recharge. Dès que je me fais taper. Ah non, mais la run. La run de malade. Ça fait quoi ça? Ah, il faut taper. Ok, là-dessus. Ah, ça on peut pas tuer, ok. Ça on peut pas tuer. Je sais plus ce que ça fait ça. Ça peut pas être mauvais. N'est-ce pas? Je voulais juste aller récupérer l'autre truc. Juste recharger une fois la satanique. Puis je vais prendre l'invincibilité, je pense. C'est quoi le truc rouge là? C'est un boss qui apparaît? Ah non, ça tue le boss? C'est quoi ça? Ah oui, c'est au cas où j'étais pas assez OP pour tuer. Sauf que je l'étais. Allez, on prend ça et on est invincible. Ah mais attends, mais je peux change. Ah mais le problème c'est que si je mets en change ici, ça va me redonner des bouquins, non? Du coup c'est pas très intéressant, je pense. Ouais, je pense que ça va me redonner des full bouquins. Vas-y, go boss. Ah, chiant. Ah putain, je pense que c'est une salle que j'avais déjà fait. Du coup, j'ai foncé comme un con. Je prends les dégâts pour rien, c'est dommage.
Imagine, je fais le père trou là-dessus. Just get over it. C'est vrai que vous avez pas le son, vous. C'est chiant, ça. Ils sont tranquilles, eux. VK Isaac. Ah, j'ai prévenu, hein. J'ai même prévenu, hein. Ah, c'est la traînée, ça. De toute façon, ça change. Go. Ouais, j'aurais pu mettre le père trop, en vrai. Là-dessus. My bad. J'ai envie de tracer. NP, t'inquiète. T'inquiète pas. On va s'en sortir. Il me semble qu'il y avait des étages où j'avais pas pris les items. On va quand même faire ça là-dessus. C'est quoi, c'est Egghead? Ça te prévient des dégâts de chute, un truc comme ça, non? Il me semble que ça annule certains dégâts, non? Attends, il faut vraiment que je me refasse un... Conehead, ouais. C'est plus une heure des dégâts, hein. Ouais, c'est bien, hein. Cœur bleu, ouais. C'est cool, ça. Du coup, là, je peux passer même tout derrière. C'est beau, hein. Ah, je me suis quand même pris des dégâts. C'est pas beau, du coup. Je préfère le tier sup. Ça y a plus d'items. Ça devrait aller, ouais. Mais mettez pas la pression. Parce que je suis capable de in ce genre de game, moi. Je suis capable de in ce genre de game. C'est bien ça le problème. Et ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Donc je connais plus trop les patterns ni rien. Même si ça devrait quand même bien se passer. Je sais plus tout ce que ça fait, ça. Dans le doute, je prends pas. Oh, c'est tellement tanky, ça. Il a vraiment tanky, ça, là. Ah, ça se fait override par le... Brimstone. J'ai tout unlock. En fait, tout ce qui est version 2 des persos, j'ai pas unlock, non. Genre Tainted, Isaac, tout ça, j'ai pas. En vrai, les 9 vies, je suis même pas sûr, ça va vraiment me carry. Si je perds, j'aurais plus qu'un cœur, quoi. Et donc, bon, faire 2 beasts avec un cœur, bon. Tainted Samson? Non, je pense pas. En fait, on me l'a appris aujourd'hui qu'il y a des Tainted et tout à faire. Pièce celui d'avant. Ouais, l'espèce d'ange là. En fait, moi, ce que je trouve le pire, c'est même pas l'ange, c'est les. C'est les 4 chevaliers là. Et je me souviens plus du tout du pattern. Vas-y, hein. On est bientôt home. Ah oui, il y a des versions ultra des monstres aussi, je me souviens maintenant. C'est tellement tanky. Hein? Qu'est-ce qui m'a fait des dégâts là? Bon. On va savoir.
Ah, ça rebondit. Ok, ok. Def, une fois j'avais un DPS inexistant, il m'a fait un pattern que j'avais jamais vu, c'était bien chiant. Ok. Ah oui, en fait, ça rebondit, ça se divise. Oh, c'est relou. Que mine de rien, petit à petit, je perds un petit peu de cœur. J'ai peut-être dû garder ma Bible satanique, au final. T'as que 5 de dégâts, c'est pas si ouf. Ouais, c'est ça, mon DPS, il est pas si énorme non plus, quoi. Est-ce qu'on peut avoir un truc là-dessus, ou pas? Après, est-ce que je peux... prendre des cœurs là-dedans. Parfois il y a des lits où tu peux te reposer ou je sais pas quoi. Ah, il faut pas avoir de cœur rouge. Ok, ok. T'as eu 3 cœurs bleus, sinon ça régène les cœurs. Ok. Ok, ok. Ah, c'est le moment, c'est l'instant. Comment on fait pour lâcher ces armes? Non, ouais, de toute façon, j'ai pas. Ah, y'a plus de musique en effet. Hop. Yo le Marc, comment tiens? Est-ce que tu passes une bonne journée? Ah putain. Je vais prendre la main speed là-dessus en vrai. Je sais plus trop comment ça marche ce pattern. Ah oui, avec des explosions. Ah mais après le problème c'est qu'elles sont slow, du coup ça ne donne plus beaucoup d'endroits pour fuir entre guillemets. En vrai le slow il m'arrange pas spécialement ici. Okay, ça devrait bien se passer. Ok. C'est mon soir repentance. Ok. Bah de beast, hein, c'est parti. Alors les patterns par contre, va savoir qui me fonce dessus, moi savoir. Ok, ouais, le slow ça va être un peu chiant parce que je vais être entouré de boules. Ah oui, c'est vrai qu'ils perdent leur truc dans un premier temps et ensuite seulement... Ok. Ah, ça recharge aussi. Oh, incroyable. D'en tuer un, ça recharge mon truc. Oh, ça en aura besoin. Hein. Ah oui, du coup, les mouches, je les gère tellement facilement. Ok, easy. Next. C'est lequel celui-là? Ah, c'est celui qui me fonce dessus une fois qu'il perd son truc, non? Il met des bombes. Ok.
qui explose en croix. Ah merde, ça j'avais pas vu. Là il me fonce dessus, c'est ça? Ça va, il est pas si rapide. Je peux même tuer les flammes en fait. Donc il est pas incroyable lui, c'est fine. Plus qu'un, Into the Beast. En vrai, lui, je vais claquer ça. Il est chiant. Tant qu'il ait plus son truc. Que j'ai foiré un de mes brimstone. C'est pas grave. Ah voilà, je pouvais pas dodge. Ah par contre, il perd directement son truc. Ok. Alors je pense qu'il faut juste que je dodge au final ça. Qu'est-ce qu'il fait encore là? Je sais plus tout ce qu'il fait. Ah, il attire des flammes. Ah, mais elles sont slow, du coup c'est un peu relou là. Ok, bah un peu obligé d'utiliser ça du coup. Parce que là c'était pas trop dodgeable en fait. Ah, ah ok, il y avait ça aussi. Bon, au moins je me rappelle, j'étais invincible anyway. Ok, on est pas trop mal parti. Ah ça tombe aussi ça. Merde. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait un truc chelou, non? Et en fait, il faut juste que je fasse au bas. Sinon, c'est plus dur à gérer. Ah, mais je peux même tuer les colonnes. Je me souvenais pas ça. Qu'il est presque mort là. Vu sa gueule. Et ben voilà! Easy game! Et pour un premier run de retour, enfin c'est mon deuxième du coup. Parce que hier j'ai vite fait tester pour voir si je me souvenais un petit peu des patterns, tout ça. Et j'ai fait Mother sur Samson. Parfait! Empty Hearts. En gros là, je vous montre où j'en suis actuellement. Ça j'ai fini, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Bah du coup maintenant Samson j'ai fini. Et là, il faut que je fasse Mother et The Beast sur Azazel.